Après avoir donc commandé notre nom de domaine et installé donc WordPress, en fait, on va rentrer vraiment donc dans la console d'administration de WordPress et en fait, on va commencer par un premier chapitre donc qui concerne ici les réglages de base et en fait, quel que soit, je dirais, le site WordPress que vous faites, aussi bien un blog qu'un site internet, un site e-commerce, ou comme nous allons voir, eh bien, effectivement un site vraiment destiné à tout ce qui concerne la thématique de l'éducation, il faut commencer par les réglages. Après, on verra comment installer le thème et Duma, mais il faut commencer vraiment par les réglages de base. Alors, on va commencer ici, donc là, ça c'est vraiment, je dirais, les options par défaut. Vous verrez qu'après, quand on va installer un thème, il y a ici des options qui vont se rajouter, mais celles-ci, ce sont vraiment les réglages de base. Alors, on va commencer par tout ce qui est général. Ici, voilà, donc très important, en fait, moi j'ai mis mon nom, mais ici, bien sûr, vous allez mettre le nom de votre site. Après, ça va apparaître ici. Et ici, alors c'est très important pour le référencement. Et ici, en fait, vous allez mettre votre slogan. Moi, par exemple, je vais mettre Formez-vous autrement. Ensuite, ici, alors, c'est très important. C'est par rapport donc à l'adresse du site. Alors, pourquoi moi j'ai le HTTPS qui apparaît? Puisqu'en fait, hein, j'avais acheté ce domaine depuis un petit moment et quand j'ai pris donc l'hébergement, hein, vous avez vu que quand on a passé la commande, le SSL était inclus. Donc, en fait, hein, il faut quand on active après donc le SSL donc sur OVH, hein, il y a à peu près 48 heures d'attente et 48 heures après, en tout cas 3-4 jours après. Vous revenez ici et vous rajoutez le S, voyez ici, pour adresse web de WordPress, adresse du site. C'est très important quand on a un site e-commerce, hein, quand on a une sorte de vitrine, enfin, ça n'a pas grand intérêt, mais en tout cas, pour un site e-commerce, donc nous, ça va être le cas, puisqu'on va vendre donc des cours en ligne, hein, et donc pour rassurer vos visiteurs, il faut vraiment, à un moment donné, voyez comme ici, qu'ils voient donc le petit cadenas. Ensuite ici, eh bien, alors, soit effectivement, donc tout le monde peut s'inscrire, donc je le coche, et là vous indiquez en fait quel est le type, donc par défaut, donc je dirais de personne qui va s'inscrire, donc moi je vais mettre tout ce qui concerne abonné. Ensuite, donc là on laisse vraiment les informations par défaut, donc pareil pour les formats de date et pour le format de l'heure. Ensuite on va passer à écriture, donc là, alors, pour l'instant, ici, comme je n'ai pas créé de catégorie, eh bien, on verra, hein, ces notions de catégorie, justement. Pour l'instant, je laisse ici donc tout ce qui est par défaut. Pareil pour les articles. Et ici, alors, moi, je ne l'utiliserai pas. Hein, donc, on verra après comment utiliser, mettons, une messagerie. Pourquoi? Parce que là, effectivement, c'est quand on a vraiment donc un serveur de messagerie. Ensuite, tout ce qui concerne ici lecture. Alors là, après, on va changer. Là, les derniers articles, c'est quand on a vraiment un blog. Là, comme nous, c'est un site internet, on prendra page statique. Et ici, alors, pour l'instant, je mets page d'exemple. Quand on va avancer dans la construction du site, on aura une page d'accueil, on changera et on mettra ici la page d'accueil. Et ici, alors, pareil, page des articles, je vais en avoir. Alors, soit je mets rien, hein, mais sinon, après, je pourrais mettre une page, donc, par rapport à des articles par défaut. Ici, c'est eh bien effectivement le page donc par rapport au nombre d'articles qui apparaît donc au début. Donc moi je vais laisser 10 par défaut. Et là, donc là c'est pour vraiment tout ce qui concerne les blogs. Et là, alors nous, en fait, vous verrez, hein, quand on intègre Duma, il y a vraiment donc un plugin pour tout ce qui est événement, hein, donc on va utiliser. Et en fait, on demandera nous à chaque fois qu'il affiche un extrait, c'est-à-dire les deux premières lignes, et après il y aura lire la suite. Alors ça c'est très important, donc moi je l'avais coché par défaut, mais par défaut c'est blanc. Je vous conseille de le cocher. Alors pourquoi? Parce que ça prend du temps, hein, vous allez voir, hein, ça prend énormément de temps de créer à un moment donné un site WordPress, en tout cas un site comme nous, on va le créer avec un thème, je dirais éducation, hein, et Duma. Donc comme ça prend du temps, il faut surtout pas que Google commence à indexer vos pages, hein, votre site, parce qu'il faut que vous sachiez que, en fait, ici, il n'y a pas de mode, en tout cas, on va dire, caché, hein. On est directement en public. Donc,
Si vous êtes normal, c'est en construction. Alors après, on verra si on intègre un plugin de maintenance hein, pour qu'il y ait une page, donc mettons site en construction. Mais si on ne le fait pas, eh bien moi au début, tant que je n'ai pas créé tout mon site, je vais demander qu'il ne l'indexe pas. Hein, parce qu'après, effectivement, il va indexer des pages et après, il faut revenir vraiment sur tous les liens pour les modifier. Ça prend énormément de temps. Ensuite, tout ce qui concerne les commentaires. Alors ici, hein, donc nous, on va passer rapidement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur un blog. Ici, moi, par contre, je vais décocher, autoriser les notifications de liens de provenance hein, d'autres blogs, hein, puisque là, effectivement, après, on va être envahi hein, au niveau des pings. Donc, ici, après, je vais laisser les options par défaut. Là, moi, eh bien, effectivement, si je veux un commentaire, je veux que des gens qui me laissent un commentaire, ils soient inscrits. Et après, ici, donc, je vais laisser ici, donc, par défaut. Donc toutes les informations. Et ensuite, voilà, donc là, je ne touche rien. Les médias, ça c'est très important, c'est quand on insère effectivement donc toutes les images. Alors en fait, nous, comme on va avoir un thème, en fait, c'est le thème qui va redimensionner directement les images. Donc là, moi, je laisse tout par défaut et permalien. Donc ça, c'est très important. Alors justement, c'est pour le référencement. Donc ici, moi, je vais prendre structure personnalisée. Alors après, vous voyez, si vous vouliez rajouter des balises, il suffit de cliquer dessus. Vous voyez, par exemple, si je veux l'année, voilà, vous voyez. Donc lui, il rajoute un. Mais là, c'est très important. Alors, on verra hein, ensuite. Alors, une formation spécifique sur un plugin par rapport à tout ce qui est SEO, hein, mais où on va apprendre à créer des, je dirais, donc des URL qui sont qu'on dit propres. Hein, pour qu'au niveau de Google, on optimise le référencement. Et ici, voilà, donc là, après, c'est pour les préfixes. Vous voyez, comme ici, voilà, donc lui, ici, après, bien, en fonction de ce que l'on va faire, eh bien, bon, moi, j'avais créé catégorie et ici, étiquette. Hein, voilà, donc après, mais ça, ces notions-là, on y reviendra quand on verra le SEO. Et confidentialité, donc là, c'est pareil, on y reviendra. Lorsque, eh bien effectivement, c'est obligatoire hein, d'avoir donc une page de confidentialité. Surtout que nous, on verra aussi un plugin pour tout ce qui est notion de RGPD, hein, puisque c'est obligatoire. Mais là, pour l'instant, en fait, on va utiliser, vous voyez, la page qui est déjà créée donc par défaut. Donc, je vais utiliser cette page, voilà. Donc, par rapport à WordPress. Voilà. Donc ça, en fait, là, on a terminé. C'est vraiment donc ici les réglages de base. Hein, par rapport donc avant donc d'installer le thème hein, c'est ce que l'on va voir justement après hein, donc mais c'est très important hein, donc de commencer par rapport donc à cet paramétrage.